Et bienvenue en Allemagne, des plages naturistes. Lundi 26 juillet, on débute cette vidéo et nous on débute cette semaine en Allemagne. Ça y est, on vient d'arriver, il fait super beau. On a passé la frontière il y a à peine une heure. Le retour du masque, donc là dans les lieux clos et tout ça, on a dû mettre le masque pour aller faire nos courses. Toujours l'interdiction de circuler en giro-roue pour l'instant sur les pistes cyclables et dans toute l'Allemagne. Donc on verra comment ça va se passer. On a déjà croisé une voiture de flic, on n'a pas de soucis pour l'instant, on verra plus tard. On se dirige vers Hambourg, ensuite on verra pour aller jusqu'à Berlin si on fait toute la partie en train ou une moitié en giro-roue, ça va dépendre de ce qu'il y a à voir sur la route. Et après à Berlin, on improvise mais normalement on part vers la Pologne. On finit manger, on s'équipe et c'est parti. Prise sauvage. Alors la technique avant de sortir tous mes chargeurs de roues, c'est que dans ma poche j'ai mon chargeur de téléphone. Hop, et là on va voir tout de suite, ça charge. Donc je peux sortir le reste du matos et charger les roues. Ouais. On s'est trouvé un spot là vers un lac, on n'y a pas encore été mais on cherche de quoi manger, il n'y a rien sauf ça. On va vous montrer des distributeurs de bouffe. Des bonbons. Donc il y a les trucs classiques là. Là déjà ça commence à être un peu plus original. Je sais pas si on voit bien avec les reflets. Donc des grandes bouteilles. Et là, ça y est, on arrive sur du lourd. Du très très lourd. Et là on a la saucisse. Ah oui. Ok, là on a tout. On va regarder ça, apparemment c'est pas trop cher. Hey, on s'est trouvé deux petites prises électriques. On va recharger. Et ce soir c'est bivouac sauvage. Ouais. In Hamburg mit einer sich trifft sie sich mit jemandem. Ach so. Donc là on a planté notre tente ici, juste à côté d'un camping. Mais on nous a dit qu'on pouvait la planter et que c'était gratuit, qu'on n'avait pas accès au sanitaire. Donc là, Thomas est parti chercher les roues et puis on va passer la soirée ici. Et demain, on part en direction de Bremen. Berliner. Yes, from Paris. No. Si. You are from Paris? Drive with this. Yes. Wheel? Oui. Ah. Oh. Cool. Thank you. Bye bye. Ciao. Qu'est-ce que t'as trouvé? Mirabelle alors. Attends, elle est trop petite. Ah oui, tout là-haut là. Attends, je vais te les chercher. Enfin, tâte-les pour voir si elles sont moelleuses. Oui, ça suffira. Manque encore un petit peu de sucre. Petite semaine supplémentaire et c'est parfait.
Bienvenue en Allemagne, les plages naturistes. Bon ben voilà, expérience nudiste, il fallait qu'on tente. Quoi de mieux de le faire en Allemagne. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est vraiment à côté d'une grande ville, hein. On est à 5 km de Bremen. Nous, notre camping est juste à côté. C'est le seul camping du coin. Il y a une petite plage donc naturiste et une plage normale, textile. Et là, ça va, il n'y a personne, donc c'est pas trop, comment dire, intimidant. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Ah oui, moi, je ne serais pas allé s'il y avait du monde partout, là. Bon, allez, on se sèche et puis on se retrouve sur les habillés. Roues. Habillés sur les roues. Donc hier soir, nous avons passé la nuit à Bremen. Super surprise, vraiment très belle ville. On ne s'attendait pas à ça. Et donc ce matin, nous sommes repartis sur la route en direction de Hambourg. Il nous restait environ 120 km à faire. Donc on va le faire en deux fois parce que là, on s'est fait déjà deux grosses journées. Et 120 km, je ne le sentais pas. Donc là, nous avons trouvé notre petit camp pour ce soir. Ce sera du bivouac. Voilà, on est à environ... 45-50 km de Hambourg et demain on finira les derniers kilomètres. Nous voici bien arrivés à Hambourg après 300 km en Allemagne. Donc nous avons croisé plusieurs fois la police, mais pour l'instant on n'a pas eu de soucis. Et nous sommes hébergés pendant deux nuits chez Kevin, mon correspondant allemand depuis un peu plus d'un an. Donc demain il va nous faire visiter la ville et ce soir on va profiter d'un petit barbecue sur la terrasse. Cheers. Il est temps de goûter les hamburgers à Hambourg, là où ça a été créé. C'est bon, hein? J'ai acheté un petit casse-croûte. Donc c'est la spécialité de Hambourg, c'est un Fischbrötchen, donc c'est un petit pain avec du poisson à l'intérieur. C'est leur spécialité locale, donc on va goûter ça tout de suite. C'est bon, hein, il y a les petits oignons et des cornichons. Le poisson a l'air frais, donc très bien. Voilà, donc je valide le petit Fischbrötchen. Et celui-là, donc c'est le basique à 3,50€. Alors, autre petite spécialité d'Hambourg, c'est le Franzbrötchen. Donc c'est le petit pain français. Donc à la base, c'était en fait les Hambourgeois qui voulaient imiter le croissant français. Donc c'est plutôt raté pour le coup, mais c'est très bon. C'est un espèce de... Oui, une petite pâtisserie bien grasse avec de la cannelle. C'est vraiment trop bon.
Voilà, donc après deux nuits sur Hambourg, nous prenons le train en direction de Berlin. Donc on a été vraiment super bien accueillis par Kevin, Léonie et Heidi, donc encore Flan Dunk. Hambourg, très jolie ville, il n'y a pas beaucoup de monuments incontournables à faire parce que malheureusement beaucoup ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. En tout cas c'est très vivant, il y a de l'ambiance et les gens aiment bien sortir et faire la fête. Là direction Berlin, on ne voulait pas faire la distance en roue parce que c'est interdit et puis là on commence un peu à trop traîner dans le nord, on veut vite aller vers le sud, là où la météo sera meilleure. Même si on a eu de la chance hier, on a eu vraiment un très beau temps. Et surtout, là où c'est autorisé de rouler. Donc normalement, les autres pays, il n'y a pas trop de soucis à avoir de ce côté-là. Donc, on y va. Lundi 2 août 2021, ça y est, on s'apprête à partir de Berlin. On a passé deux nuits ici et deux journées en fait dans la ville, entièrement piétons. Hein. On a pris les transports et un peu des trottinettes électriques en libre service. Mais on a quasiment tout fait à pied, on a beaucoup marché, c'est vraiment très très grand. Mais il y a quand même pas mal de choses à voir. On est content de retrouver nos roues, mais pas encore là. En fait, on va prendre le bus pour nous rapprocher de la frontière. Voilà, Berlin, donc c'est fait. C'est pas notre coup de cœur pour l'instant en Allemagne. On a quand même bien aimé, on a bien mangé, on a fait pas mal de choses. Mais voilà, ça nous a suffi les deux nuits ici. Et on a hâte de redescendre un petit peu dans le sud, d'avoir du soleil. Donc ce soir, on va à Dresden. Ce sera notre dernière ville en Allemagne. Et après, direction donc la République tchèque au lieu de la Pologne, là où on devait aller. On monte dans le bus. Ah, le métro infernal. Ah ouais, ah oui, si, le métro, on n'a pas arrêté de se perdre. Enfin, il n'y a pas de portique, il n'y a pas tout ça, c'est étonnant. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez métro berlinois, si vous savez comment il fonctionne, parce que nous, on n'a pas arrêté de se perdre. Non, c'était vraiment compliqué, quoi. Ça y est, en plein milieu de la piste cyclable, la frontière avec la République tchèque. Donc ça y est, on quitte l'Allemagne. Ouh. On a une super belle piste cyclable là, depuis 50 km. C'est vrai qu'on devait aller en Pologne, finalement on a dit... Ben, finalement on s'est dit qu'on allait aller directement en République tchèque. Donc petit débrief de l'Allemagne. Très sympa, très joli. Hier on a terminé sur Dresden, vraiment. Ah oui, c'était pour très moi beau. C'était mon coup de cœur. En Allemagne, très jolie petite ville. On a été bien accueillis, on n'a pas eu de soucis, hein. Finalement on n'a pas eu affaire à la police
C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup roulé, peut-être bon, on a fait quoi km, ouais, c'est ça. On a fait 400, à peu près 400 km en Allemagne. On a vraiment pris en fait la moitié en train. Beaucoup de curiosité, hein, beaucoup d'Allemands qui s'interrogeaient sur nos véhicules qu'on tenait la plupart du temps à la main. Qui avaient l'air presque déçu que ce soit interdit en Allemagne et de ne pas pouvoir le trouver pour eux ou même de façon générale. Peut-être que ça changera un jour. On espère. En tout cas, nous, ça y est, on continue notre chemin. C'était Monsieur Flex et Mélo. À très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao! Tu fais quoi là? Tu sèches la serviette?